Tom Villa, vous avez compris, j'espère maintenant, au bout de 20 minutes, pourquoi ils étaient là. J'ai compris, mais trop de problèmes, trop dangereux cette promo. Non, mais c'est vrai. Depuis la jurisprudence texte, on doit faire super gaffe à ce qu'on dit sur les sujets sensibles, les religions, les femmes dans la religion, l'homosexualité des femmes dans la religion, les handicapés, les femmes homosexuelles, handicapées, religieuses à Bangkok. Ça fait un peu enquête exclusive, mais voilà. On va pas tout lister, mais c'est tendu. Hein. Et là, Christophe, parler de religion, la religion catholique, en plus, qui est la pire. Autant tu vexes un musulman, tu peux finir avec une fatwa, ça passe. Mais tu vexes un catho, il peut t'obliger à regarder le jour du Seigneur tous les dimanches. Et ça te nique un week-end. Moi, on dit que les juifs sont partout, alors les cathos, on n'en parle même pas. Il y a 40 000 églises en France, alors qu'il y a que 36 000 communes. Qu'est-ce qui branle, tu vois? En plus, un film sur une bande de curés, comme on l'a dit, ça peut vite partir en blague pédophile, et ça comptait pas sur moi. En plus, moi, j'ai fait mon catéchisme et j'en garde un super souvenir. Moi aussi. C'est là-bas que j'ai rencontré mon premier amour, Valérie, père Valérie. Et vous voyez, ça dérape. Vous voyez, alors non, si vous voulez, on va quand même travailler la programmation de la bande originale ensemble pour éviter mettre dans des difficultés. Demain, on reçoit Slimane pour le film avec Sabrina Wazeni. Voilà, Break sur la danse issue de la rue. Voilà, donc là, ça peut glisser. Hip-hop, banlieue, drogue. Slimane qu'on a connu grâce à The Voice Menel Twitter, apologie du terrorisme. Apologie du terrorisme, Jihad, 72 vierges, soirée très chiante, alcohol, story Instagram, dérapage et bad buzz. Voilà, c'est ça que vous voulez, Nagui. J'ai regardé toute la semaine prochaine, c'est pareil, c'est miné d'embûches. Lundi, on reçoit Eric Judor, une blague sur les Antillais, sur les chauves ou les personnes de petite taille, c'est le CSA. Mardi, Tarraim pour les joueurs, c'est un mec qui joue dans les tripots, argent sale, bar clandestin, mafia, œil de verre, pareil, c'est Ripou. Mercredi, Alix Poisson et Jonathan Cohen pour Budapest, les enterrements de vie de garçon, la prostitution déguisée en striptease, la drogue et les MST, que des emmerdes. Tout ça, la veille de la Coupe du Monde, c'est très jeudi, Bérangère Krief et Grégory Fuit aussi pour l'école est finie, l'échec scolaire dans le Nord, la consanguinité, le Front National, des emmerdes. Vendredi, la spéciale anniversaire pour le jeu des 1000 euros, le capitalisme, soudoyer ses auditeurs, mallette de cash, CSA, des emmerdes. Donc ce qu'on va faire, lundi prochain, on recevra Nagui pour N'oubliez pas les paroles. Mardi, on recevra Nagui pour Tout le monde veut prendre sa place. Mercredi, on recevra Nagui pour Taratata. Jeudi, Nagui pour un bilan de la bande originale. Et vendredi, on fait un best-of de tout ça. Moi, je propose, à mon avis, ça va être très bien. Ça aussi, tu vas te faire gueuler, tu vois. Non, ça va le faire. Salut, Steph. Nagui sur France Inter.